This programme contains 6 short films set in Martinique to support the teaching of French at Key Stage 2. These clips are also available separately on the Teachers TV website, with downloadable lesson resources and teaching notes. We recommend you read the notes before you use the films in class. Salut, je m'appelle Arnaud, j'ai 10 ans et je vous présente mon école. Elle s'appelle Plateau DJ, elle est belle. Regardez. Tu viens avec moi ? Voici l'entrée de mon école. J'y arrive habituellement à 7h30. Voici le bureau de la directrice. Bonjour Madame Célimène. Bonjour Arnaud. Comment tu vas ? Ça va bien, je te remercie. De rien. Au revoir. Au revoir Arnaud et bonne journée. Merci. Sur la gauche, il y a à peu près 1, 2, 3, 4 classes. Ensuite, il y a la salle d'informatique, ce grand bâtiment. Dans la salle informatique, il y a 14 ordinateurs. Sur ces ordinateurs, on peut y jouer et écrire. On y va ? Voici la cour de récréation. Il est 9h30, les enfants s'y amusent. Cette semaine, c'est une semaine de carnaval. C'est donc pour ça que les filles s'habillent en garçons et les garçons s'habillent en filles. Cette classe est l'une des plus petites de l'école. Les enfants qui y sont ont 7 ans. Continuons vers la bibliothèque. Voici la bibliothèque. On vient ici pour emprunter ou lire un livre. Nous allons à la cantine où nous déjeunons tous les midis. Mon plat préféré est du couscous avec de la viande. Nous allons voir ma classe. Voici ma classe. Ils sont 25. Ils font du vocabulaire. Voilà où je m'assois. Est-ce que ça résonne à ton école ? Pendant la récréation, les filles font beaucoup de jeux, comme des jeux de main. Les filles qui sont ici jouent à un jeu de main qui s'appelle « À la sortie du lycée » et qui nous apprend les nombres entre 10 et 100. À la sortie du lycée, les filles se sont éclatées. Les garçons se sont amusés. Allez, danse, danse, danse avec moi. Allez, danse, danse, danse avec moi. 5 plus 5 est égal à 10. 10 plus 10 est égal à 20. 20 plus 20 est égal à 40. 30 plus 30 est égal à 60. 40 plus 40 est égal à 80. 50 plus 50 est égal à 100. Il y a beaucoup de jeux de main. Les filles qui sont derrière nous jouent à un jeu qui s'appelle une autosillette. Il nous apprend un peu l'alphabet. Ça fait la bamba, c'est l'éla, tché, tché, la hola. La 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 la. A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bonjour, je m'appelle Raïka, j'ai 11 ans et nous allons vous faire visiter la ville de Fort-de-France qui est la capitale de la Martinique. Nous allons voir beaucoup de monuments historiques, alors venez avec nous. Ça y est, nous sommes arrivés à Fort-de-France. Mais plus précisément, nous sommes à la place Monseigneur Roméo. Cette place fait face à la cathédrale.
Cette cathédrale a été construite en 1671. Elle est très colorée et très imposante dans la ville de Fort-de-France. Nous sommes toujours rue de la Liberté. À ma gauche, il y a la poste, là où on peut envoyer des lettres. Voici la bibliothèque Schœlcher. Avec ses coupoles et ses façades colorées, c'est sûrement le plus beau bâtiment de la ville. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Elle a été conçue en 1887. On peut y trouver beaucoup de livres. Mes amis et moi, nous sommes dans la bibliothèque Schœlcher. Dans cette bibliothèque, il y a énormément de livres, pour les enfants comme pour les adultes. Nous sommes dans le grand marché. Je vais vous montrer quelques fruits. Voici l'orange sucrée. C'est vraiment bon pour la santé. Ça, c'est la pomme cannelle. C'est aussi très bon. Une pâtisserie porte le même nom qu'elle. Ça, c'est un ananas. Il est petit, mais c'est très juteux, très bon, surtout quand c'est bien sucré. Mes deux fruits préférés parmi tous ceux-là sont l'orange sucrée et l'ananas. Ça y est, c'est la fin de notre visite. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tous les cas, j'ai adoré, parce que j'adore Fort-de-France. Et vous, est-ce que vous pourrez nous présenter votre ville ? Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 8 ans. Voici mon grand-père. Il a 78 ans et il est né en 1932. Quand tu étais plus jeune, où habitais-tu ? Eh bien, comme toi. Fort-de-France, mais avec cette différence, il y a 70 ans, Fort-de-France était beaucoup plus petit que maintenant et il était complètement différent. Comment était ta maison ? Ce n'était pas une villa, ce n'était pas une grande maison, c'était un appartement. On habitait dans une maison à la rue Victor Hugo, que tu connais peut-être toujours, qui existe toujours. C'est une des rues principales de Fort-de-France. Comment allais-tu à l'école ? Et à Fort-de-France, il n'y avait pas autant de voitures que maintenant. Et tous les enfants allaient à l'école à pied, habillés autrement que maintenant, d'ailleurs, avec des culottes courtes. Je vais te montrer, tiens, tu vas voir. Je vais te montrer une photo de papy quand il était petit. J'étais le plus petit, tu vois, mes petites jambes. Il n'y avait pas d'uniforme. Nous étions habillés différemment, alors que maintenant, à ton école, vous êtes tous habillés pareil, avec le jean et puis un tricot identique. Qu'est-ce que tu aimais manger ? Je pense qu'au petit déjeuner, c'est comme maintenant. Il y avait le café, le Martiniquais aime beaucoup le café, hein, du chocolat, du pain, mais enfin, pas comme maintenant avec des croissants et des pains au chocolat. Tout ça était beaucoup plus simple. C'était du pain, du beurre, du chocolat et du café. Et qu'est-ce que tu voulais devenir ? Moi, j'ai toujours eu envie d'être médecin. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire des études de médecine, devenir médecin et faire de la médecine toute ma vie. Donc ça, c'est une chance. Mais toi, qu'est-ce que tu veux devenir ? Moi, je veux devenir ingénieur. Ah, c'est bien, mais ingénieur en quoi ? En quelle branche ? Mécanique. C'est bien, mon fiston, c'est bien. Mais il faut travailler dès maintenant. Mm-hmm. Vous savez tout maintenant sur moi, mais vous, de votre côté, la vie, c'était comment pour vos grands-parents ? Quel est ton plat préféré ? Mon plat préféré est un gratin de banane ou des pâtes avec des saucisses. Le 1er juillet, c'est le jour de mon anniversaire. Je préfère manger du gâteau au chocolat parce que c'est moi qui l'ai fait. Quelle saison préfères-tu et pourquoi ?
En Martinique, il y a 2 saisons. Pas comme en France où il y en a 4. Moi, je préfère la saison sèche parce qu'il y a beaucoup de soleil, il fait très chaud, on peut aller à la mer. D'ailleurs, n'importe quand, on peut aller à la mer. Quel sport préfères-tu et pourquoi? Je préfère le tennis et l'équitation car le tennis me fait bouger beaucoup et j'aime bien frapper la balle. Mon sport préféré est la boxe car j'en fais déjà depuis le début de l'année. Mais le sport que je déteste, c'est le tennis car c'est très très difficile. Alors, j'aime tous les sports, mais mon sport préféré est le football. Est-ce que tu préfères la musique rap ou la musique traditionnelle? Le genre de musique que j'aime est la musique pop. J'aime bien un peu les musiques traditionnelles et les musiques R&B et un peu pop. Ma musique préférée est le rap. La musique que je déteste en Martinique, c'est le zouk. Je m'appelle Marion, j'ai 10 ans, j'aime dessiner. Plus tard, je voudrais devenir architecte ou styliste car j'aime dessiner les maisons et les vêtements. Je m'appelle Ingrid, j'ai 9 ans, j'habite à Chelcher et j'aimerais devenir institutrice car j'aime les enfants. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 9 ans, j'habite en Martinique. J'adore les fruits car c'est bon pour la santé. Plus tard, je serai président de la République car j'aime le droit ou chercheur car j'aime trouver des solutions. Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 9 ans, j'aime les frites parce que c'est bon. Plus tard, j'aimerais être journaliste parce que l'actualité m'intéresse ici et ailleurs. Je m'appelle Benjamin, j'ai 9 ans. J'aime bien le tennis parce que j'aime bien regarder à la télé, mais je préfère le football parce que je préfère y jouer. Par contre, j'aime pas le rugby parce que je trouve que c'est un peu trop brutal. Plus tard, je voudrais être informaticien, car depuis que j'ai 6 ans, j'adore l'informatique. Je m'appelle Antoine, j'ai 9 ans, j'habite à Fort-de-France. J'aime le melon car c'est sucré. Je voudrais devenir pilote d'avion ou directeur financier car j'aime les mathématiques. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 9 ans et demi, j'habite à Fort-de-France. J'aime la danse, mais je préfère la gymnastique quand je suis sportive. Plus tard, je voudrais devenir assistante de production de cinéma car j'aime les films ou mannequin car j'aime la mode. Je m'appelle Emma, j'ai 9 ans et quand je serai plus grande, j'aimerais être actrice parce que j'aime le théâtre et le cinéma. Quel âge as-tu? Où habites-tu? Quelle est ta matière préférée? Que voudras-tu devenir plus tard?